Ça y est, je viens d'arriver au port de Mytilène sur Lesbos. Enfin, je crois, hein. Je suis pas trop sûr, mais vous voyez, j'ai un peu la tête dans le cul. J'ai pas beaucoup dormi, j'étais dormi sur un canapé, c'était un peu à l'arrache. Il y avait un mec qui prenait ma place à moitié en plus, bon. Bon, c'était un peu. Bon, c'est comme ça quand on voyage en bateau, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même dormi. Donc voilà. Donc là, il est 5h du mat, donc je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Four boats. Where is Kaloni? Kaloni is this? Oh yeah. Okay. Just wants to live apart. Doesn't want to move. Not to me. If you run. Et aujourd'hui, petite mission jusqu'à Molivos, une soixantaine de kilomètres avec un bon 900 mètres de dénivelé. Mais bon, je suis pas trop chargé comme vous voyez. Hop. Et donc c'est cool. Je suis tout léger. Bah voilà, ça se passe bien, il fait un peu chaud mais j'ai hâte d'arriver et puis de découvrir la ville. Voilà, ciao. Amazing. Hello. Je sais pas si vous voyez, derrière moi c'est la Turquie. Et c'est par là que la plupart des réfugiés arrivent en bateau. Et ils accostent soit ici, soit un peu plus loin là-bas. Et donc il y a pas mal de boulot de sauvetage parce que les gens se noient. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu la distance qui sépare la Turquie entre l'île de Lesbos. C'est vraiment, vraiment rien quoi. Ça devait être un ancien camp pendant la crise de 2015. Il y a plus de 300 000 réfugiés qui sont arrivés cette année. Et il y a un jour, ils sont arrivés à environ 10 000. Donc à mon avis, ça devait être un des camps d'attente avant de rejoindre soit Molivos, soit Mytilini. Je vais me taper un petit... 400 mètres de dénivelé en quelques kilomètres là, c'était vraiment très 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 pentu. Mais ça fait du bien, je suis toujours là, hein. Je me suis presque pas arrêté. Ça fait du bien de transpirer un peu, hein. De pousser un peu ses limites. Voilà, pousser un peu plus vos limites. Bon, en fait, je suis à Lesbos et il y a un peu des tremblements de terre depuis cet après-midi. Il y a eu un gros tremblement de terre. Et là, il y a des secousses qui arrivent de temps en temps. Ça fait un peu flipper. Sur le départ, allez, vamos a Turquía.